des BD parfois injustes, je trouve qu'il faut... Bah, après, c'est le but d'un jeu asymétrique. Hein. Ben non, maintenant avec les tournois, il est plus jamais là, Exceeds. Là, il était dispo pour une ou deux games, mais j'étais full et... Donc j'ai pas pu l'inviter, mais il était dispo pour une ou deux games à peine, et après il devait partir, donc... Non, mais Exceeds, maintenant, on joue presque plus ensemble, parce qu'il s'entraîne H24 pour des tournois, où il gagne pas 1 euro, donc... Ça vaut le coup de s'entraîner. Après, lui, il dit qu'il le fait pas pour ça, il dit qu'il le fait juste parce qu'il aime ça, donc... Bah, je peux comprendre, hein, tu sais, la compétition, t'aimes ou t'aimes pas. Ça, c'est un hit à retardement, tu vois. Genre, jamais je dois le prendre, le hit. Tu vois bien que le mec, il rate son coup et je prends le hit quand même. Enfin, bon, c'est la vie. Oh, cette partie est perdue quand même. Hein. C'est un spectre, mais on perd la partie, c'est quand même dingue. Nope. Tu peux pas gagner, c'est un truc de ouf. C'est terminé l'époque où tu pouvais gagner quelque chose. C'est fini, regarde cet endroit. Pourquoi il y a des caissons, mais il n'y a pas de palette? Après, on est sur une super map. Hein. Ça, c'est une très très bonne map. Avec beaucoup de circuits de loop. Voilà, j'ai de la chance, j'ai deux bonnes palettes. On a beaucoup de circuits de loop, c'est une très bonne map. Hein. Il va tenter le 8, non? Il tente pas le 8, donc je gâche comme un bébé. Nope. Casse, ouais. Donc là j'ai déjà gâché 3 palettes, mais en 30 secondes. Donc ça sert à rien ce que j'ai fait, mais je suis obligé parce que contre un spec, si tu gâches pas les palettes, t'as perdu, donc... Ah, je pense. Il m'empêche de prendre la palette, hein, il est pas con. Il m'a empêché de prendre la palette, hein, vraiment pas con. Je vais dédard d'avant et je vais pas sauter la fenêtre. Voilà. Et là, je prends cette fenêtre. Là, je sauterai pas la fenêtre pour sauter l'autre devant là. Là, c'est un spot monstrueux. Là, sur cette map, tu prends ce spectre sur. Comment elle s'appelle? Sur l'autre map, là, t'as perdu. Hein. Bon, je vais essayer d'aller tout droit, on verra bien. Ah merde. Je me suis dit, je l'ai vu faire demi-tour, mais je me suis dit peut-être qu'il fait un moonwalk. Alors je me suis dit, je vais essayer d'aller tout droit, on verra bien. Bon, au final, j'aurais pas dû. Il a bien joué. Il a fait un bon move. Là, je l'ai cru voir faire un moonwalk, mais en fait, il s'est juste retourné pour avancer. Du coup, il a bien joué. Parce que j'ai trop anticipé le fait qu'il ferait un moonwalk, mais il a bien joué. Ouais, oh, mais là, on est contre un spectre, hein, le tueur le plus faible du jeu, donc. C'est plus dur maintenant courseur pro parce que les gens savent jouer, les tueurs savent jouer, les maps sont de plus en plus petites, les loops sont de plus en plus rétrécies. Après là on est sur une map, la RNG est monstrueuse. Il y a deux spots double fenêtre, ça c'est magique. Par contre tu t'es pas fait voler ta flash quand même Tom. Merci Tom de me laisser en galère comme ça. Merci pour la flash, mais fais pas ça, il y a Orkis dans la game. Hein. Fais pas ça Tom, il y a Orkis dans la game, faut pas faire ce genre de choses. Normalement, si mes calculs sont exacts, je n'ai pas le temps de baisser cette palette. L'objectif c'était ça, mais bon. Hey, so, salut, salut Shadow, comment tu vas? Merci, tu vois là, je meurs parce que Tom il me dépose la flash à 800 mètres du crochet. Et moi je suis obligé d'aller la chercher. Pourquoi? Je comprends pas. Tu peux pas me décrocher, on se soigne, tu me déposes, je sais pas, tu me déposes la flash et moi j'ai un loop. C'est dur, hein. C'est devenu dur de jouer à des BD. Salut Farty, comment tu vas? C'est la forme? C'est devenu compliqué. Salut Virixo, ça va? Mais j'avais même pas vu que j'avais Boro. Merci Réen pour ton follow, j'avais pas vu que j'avais Boro. J'ai des dards pour rien, je pouvais pas savoir qu'il a les body blocks et j'avais même pas vu que j'avais bro. Enfin bon, c'est la vie quoi. Ouais, j'ai vu Nay, c'est une bonne nouvelle ça. Nope. Nope. Il se clash pas, pourquoi? Ah, y a Orkis qui m'a protégé. Là, Orkis a trop bien joué, là.
Parce qu'il est venu prendre, prendre le hit pour moi. Moi je vais me rendre discret, je pense que je vais pas faire les générateurs. Faut que je me rende discret. Je pense qu'il sait que je suis là. Ah ouais. Comment il peut savoir ça? Peut-être pas trop. Nope. Oh bien ça, belle protection ça. Bien. Ça c'est une belle protection. Comment il sait que je suis là? Je la baisse hein, s'il te plaît. Oh, t'as de la chance qu'il tente le hit. Oh. Tekem, tu dois partir du loop. Voilà. C'est pas sur un loop comme ça, sur un mec qui est P3. Nope. Mais Tom, t'es pas obligé de te sacrifier pour moi, hein. C'est gentil mon ami, mais... mais c'est gentil, merci Tom. Ça part d'un bon sentiment, merci Tom. Bon move, mais bon, il s'en fout. Il s'en fout, il veut que moi, de toute façon. Donc là, faut faire un gen. Il s'en fout, il veut que moi, faut faire un gen. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce comportement? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? C'est dur d'accepter ça. Tu sais que tu perds contre ce genre de mec? Genre, là, je perds contre lui. Je peux rien y faire, j'ai perdu. Je le sais pertinemment. La game, je l'ai perdue. Je peux pas jouer contre. Je peux pas faire autrement. La game, je l'ai perdue. C'est la vie. Comme ça. Hein. Pourtant, la map, elle est monstrueuse. Hein. Mais j'ai perdu quand même. Alors que la map est monstrueuse. Mais je perds quand même. Il a sûrement no head. Alors que la map, c'est quand même un bijou. Hein. Là, franchement, la map, elle me régale. Hein. Ils m'ont donné un bijou, les devs. Ils m'ont vraiment donné un bijou. Putain, t'as vraiment la fenêtre là-dessus, quoi. Je me suis dit, je vais lui faire taper la fenêtre, mais je pensais pas qu'il allait vraiment la taper. Hein. Je pensais pas, franchement. Putain, il va vite. Hein. Nope. Sauf de sang oblige. Sauf de sang oblige. Je sais pas où est la porte parce que j'ai pas eu la présence d'esprit de regarder. Hey, il veut pas perdre, hein. C'est, il fait tout droit, boy, il s'en fout quoi. Non, mais j'explique, il peut pas perdre. Nope. Et là ensuite, je sais pas ce que je dois faire. Là, il doit se cloche, parce qu'il est pas con. Parce que là-bas, j'ai plus rien. Là-bas, j'ai plus rien, donc il doit se cloche. Il y a une porte à gauche, mais je l'ai pas vue, du coup, je me suis raté. Dommage, j'avais une porte à gauche, mais malheureusement, je l'ai vu trop tard. C'est ma faute, là. Là, si tu vois, j'ai mal joué, c'est ma faute. Là, c'est purement ma faute, parce que j'ai pas vu que j'avais la porte qui était à gauche. Nope. Oh, bien joué, la protection, là. Oh, bien joué. Que tu penses qu'il y a moyen? Là, les poteaux, ils sont insane. C'est Kem, il a peut-être la pack de Zarina Kassir pour le peuple. Ouais, j'avoue que là, qu'il a pour le peuple, c'est monstrueux. Nope. Bien joué, belle protection, les amis. Nope. Bien joué, ça, bien joué. Superbe, c'est bien, c'est bien ce qu'ils font. C'est bien ce qu'ils ont fait là, c'est bien. Allez les copains, je compte sur vous. Ah, vous êtes des monstres. Il a Noël depuis tout ce temps, le mec. Putain, fallait commencer par là, espèce de guignol. Fallait commencer par là. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Fallait commencer par là, guignolo. T'as Noël depuis le temps, pourquoi tu les défonces pas, les autres mecs? Et en plus, je m'appelle Robert. Je m'appelle Robert, j'ai mis mon profil en privé. Il peut pas savoir que je suis un streamer, c'est pas possible. Il peut pas savoir que je suis streamer, c'est impossible. Nope. Vas-y Tom. Ouais Tom. Tu sais qu'ils se sont tous sacrifiés pour que je sorte. C'est vraiment des génies quoi. Ils se sont tous sacrifiés pour que je sorte et moi j'ai des frises. Ils se sont tous sacrifiés pour que je sorte, c'est vraiment des génies.
Le mec, il a Noël depuis tout à l'heure, je te jure, mais c'est pas possible. Putain, je venais juste de dire que c'était impossible de retrouver des Gugus. Bah lui, je peux te dire que c'est un Gugus. Mince, je me suis soigné, moi aussi je suis un Gugus. À la base, je voulais aller chercher le totem. Oh là là. Oh, il lâche rien, il voulait que Sopalin. Salut Voltegirl, comment tu vas? Et là, gardien de sang, ce serait tellement beau. Franchement, ce serait tellement beau. Allez, s'il te plaît, gardien de sang, mec. Fais continuer ce bonheur. C'est... Je sais pas ce que c'est, Stuart, mais il est bizarre. Pourquoi il veut que Robert? Qu'est-ce qu'il a de mal, Robert? Qu'est-ce qu'il a fait, Robert? Ok. Nice, son totem a été trouvé, bien. T'as dû faire violemment l'amour à quelqu'un de sa famille. Non, pourtant, je te jure que j'ai pas fait l'amour à quelqu'un de sa famille. Je te jure. Il faut que les devs réajustent le gameplay survie. Comment ça, Phoenix? Le gameplay survie, il est souvent... Il est très bien, c'est juste que les suivants savent pas jouer. C'est ça qui est... Enfin, moi, je veux dire, j'ai fait une terrible erreur tout à l'heure. Ah ben voilà, merci pour ton follow, voilà. Jeanne, c'est gentil. Merci Caro pour ton host, j'avais pas vu. Merci beaucoup Caro pour le host, c'est gentil. Bien les copains, superbe. Là, si Rage quitte pas là-dessus, il était obligé. Le Rage quitte était obligé. Parce qu'il avait une pression folle avec Noed. Il a sûrement Noed. Il pouvait faire quelque chose. Au final, il Rage quitte là-dessus. Enfin un Gugus sur Dead by Daylight. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça quand même. C'était un Allemand. Je l'ai déjà vu. Parce que je me souviens de son profile stream. Non.